Давайте, двигайте ящики в кладовку. Давай, 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 давай. C'est du russe. Ça doit être la base de Biarkov. Fuchs a dû descendre de l'avion maintenant. Va falloir être rapide. Il sera plus difficile de descendre de l'avion que d'y monter. Ok, on se retrouve pour une nouvelle mission à 47 pour l'épisode 2. 47. Et petit briefing. Il se passe quelque chose de vraiment incroyable. Écoutons notre chère Diana avec sa belle voix. Deux poissons vont se rencontrer pour la première fois. Nos clients vous veulent sur ce coup. Cette opération à haut risque est une occasion en or pour éliminer les deux hommes. Le salaire sera à la hauteur, mais notre client n'est pas du genre à tolérer la moindre erreur. Votre nom de code sur cette opération est Monsieur Bird. Notre agent infiltré dans la base a pour nom Yurishka. Sur le papier, c'est une vraie mission de routine. Mais méfiez-vous, 47. Dans cette affaire, vous n'avez vraiment pas droit à l'erreur. Donc, elle nous a bien prévenu. Donc, il faut assassiner deux cibles. Assassiner le commandant Berchkov, Fabian Fuchs, et détruire la cargaison. Donc, il doit, en fait, on doit tuer Fuchs, qui a envoyé donc... par ses frères pour acheter une bombe sale au commandant Sergei. Donc vous l'avez compris, si on tue son entourage, on va tuer donc Fuchs en premier. Et donc là on va directement aller à cette tour de contrôle sans se faire repérer, bien sûr. Donc on va aller tuer Fuchs, on va déjà récupérer un costume et tout ça. On va essayer de s'infiltrer vers Fuchs pour récupérer un petit costume de garde, passer tranquillement, donc assassiner Fuchs, récupérer son ses vêtements en espérant qu'ils soient qui permettent de masquer un peu mon visage pour pas qu'on me reconnaisse, et donc de participer à la réunion qui devait à laquelle il devait participer quoi, et donc tuer la deuxième cible. Après ça, on va juste poser les bombes et voilà, fini quoi. Donc là. On va utiliser la corde à piano, la célèbre corde à piano, les amis. Ok. On récupère rien du tout en fait. Voilà. Et là, faut qu'on laisse toutes les armes. Donc c'est à dire que ça, ça reste là. Ça, ça reste là. Ça, ça reste là. Et ça, ça reste là. Donc normalement, j'ai aucune arme. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, on peut se casser avec le costume du soldat et on va aller Ouais, bon lui il va pas avertir la garde. Faut... Normalement il va aller se poser dans la maison. Dans la petite baraque où j'ai mis le cadavre. Ouais, il va se réfugier. C'est un peu une tapette en fait, il va pas avertir les gardes, donc ça va encore. Donc nous, on va partir directement tuer Butch. Et vous allez voir, on va le tuer, on va essayer de le tuer discretos. Hop, normalement, on passe par là. Alors, donc il est dans l'autre baraque à côté. Et là vous voyez, normalement on doit avoir notre contact, il doit être ici, ou il doit avoir un moyen de... Tiens, un objet qu'il doit nous donner pour le tuer, je sais pas, un empoisonnement, je sais pas. On verra bien. Donc là on va y aller tranquillement. Normalement je dois pas me faire reconnaître. Ok, en gros ils ont juste respecté, pardon. Rien de grave. On va passer par l'arrière pour pas trop se faire repérer. Bon, lui il veut. Ah, je me disais c'est rouge, je me fais tirer dessus. Non, non, c'est l'aile de l'avion. Tranquille, tranquille, faut pas que je stresse là, surtout que. Il y a l'autre.
L'autre civil, il m'a repéré, donc j'espère qu'il va pas trop avertir la garde. Normalement, j'ai changé de costume rapidement en espérant que je puisse prendre le costume de ma cible. Ah, mon contact, ça doit être lui. Alors, est-ce que tu es mon contact ? Je cherche Yurishka. Bienvenue au Kamchatka, monsieur Byrne. Ah, c'est bien lui. Que pouvez-vous me dire ? Que le Borch est une saleté et que je ne veux plus jamais en manger. Je peux aussi vous dire que le sous-marin leur sert de labo. Le Borch n'est pas une priorité. Vous avez une idée pour détruire le labo ? La dynamite, il y en a à bord. Ils l'utilisent pour fabriquer des bombes sales. À l'intérieur, il vous faudra une tenue anti-radiation. Vous en trouverez une dans l'entrepôt, au nord-ouest du sous-marin. C'est un gros sous-marin. De quelle quantité de dynamite aurais-je besoin ? Pas tant que ça. J'ai repéré 3 points faibles sur la coque extérieure. Une bombe à chaque point. Des détonations simultanées, et la coque se brisera. Les munitions restées à bord exploseront, et il coulera comme une pierre. Merci. Bonne chance. Merci, mon ami. Du coup, là, je pense que je peux récupérer. D'accord, laxatif. Ah, et je suppose, du coup, que je peux le mettre dans le... Le porche, c'est ça, je crois. Voilà. La petite musique... caractéristique du mode... Là, il va réclamer, je pense, il va chercher de sa soupe. Voilà. On va l'attendre, du coup. On va attendre qu'il réclame, qu'il aille chercher sa... Qu'il réclame ou qu'il aille chercher sa soupe. Ben voilà, il la réclame. Je me disais bien. Normalement, je peux ressortir ma corde. Et là, dès qu'il a fini sa soupe, normalement... Ouais, j'aime bien me regarder au miroir. Là, il va lui servir sa soupe, tranquillement. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé quand même le même menu map. Ça, c'est bien. Au niveau des armes, c'est chiant, ils ont pas gardé le truc d'accès rapide où je l'ai pas trouvé. Et par contre, ils ont pas laissé les musiques de fond quand tu joues. Du coup, bah, ça fait un peu vide en fait. Voilà, je parle là, normalement, si vous regardez les épisodes d'Hitman 2, bah, y a du son, de la musique. Et je trouve ça dommage. Surtout que c'est le jeu le plus sombre, tu vois, une petite musique sombre, assez pas glauque, mais assez sympathique, ça aurait été bien. Après, c'est vrai que la musique dans Hitman 2, elle était vraiment trop présente. Et c'était assez chiant. Donc faut savoir ce qu'on aime au fait. Et ben, quand on aime pas quoi. Ce qui est normal. Y a pas tardé à venir aux chiottes ou pas lui ? Pour moi, je vais pas attendre 4 ans là dans ces chiottes où il y a de l'eau partout. C'est répugnant. Hop. Il va pas tarder à se lever quoi. Ou peut-être j'ai pris le mauvais laxatif ou le mauvais produit, tu sais. Bah allez, monsieur Fabian là. Ok. Ok. On va prendre ses vêtements, c'est pas fait repérer, ça c'est cool. Ah c'est cool, ses vêtements sont vraiment... cachent vraiment tout. Donc ça c'est cool, on peut mettre... Et en fait ouais, il a mis la capuche. Ça c'est bien, ils y ont pensé. Du coup on ressemble à quoi? Ouais d'accord. Allez c'est parti, on y va. La cagnette. Le commandant Biarkov vous attend à bord. Veuillez me suivre, monsieur Fuchs. Il n'y a pas de souci, je te suis. Merci, soldat. Putain, ni vu ni connu. On va réussir à s'introduire et à tuer la deuxième cible tranquillement.
Donc franchement, si vous faites le jeu, n'oubliez pas d'enlever toutes vos armes. Vous faites fouiller, vous êtes mort. Et ça, on va pas échapper à la fouille. Par contre, faut pas trop s'approcher du garde. Faut pas trop paraître suspect. Si on paraît suspect, une petite balle entre les deux yeux, je pense que c'est ce qu'on mérite. Et là, on a la petite musique d'agent secret, tranquille. Ça, c'est classe. Par contre, un truc, en attendant qu'on marche, un truc que j'ai remarqué, c'est que, enfin, c'est peut-être ma configuration, je sais pas, mais j'ai l'impression que le jeu est plus grossier. Grossier dans le sens où j'ai l'impression que 47 est plus petit, plus rond du coup, et mieux modélisé du coup. Je sais pas si vous remarquez, mais franchement, si, ça se remarque quoi. C'est dans Hitman 2, bon, même si j'ai fait des manips pour que le jeu marche sur ma config. C'était assez. Hitman était assez maigre, assez. Pas aussi bien modélisé et tout ça. Bon, après, c'est vrai qu'entre comparer un jeu de 2004 avec un jeu de 2002, c'est sûr que c'est un peu con ce que je fais, mais. Bon. Hop, on va prendre le petit train-train. Allons-y. On va prendre le petit train-train vers notre deuxième cible. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug d'ici là. Et on va pouvoir se la faire tranquillement. On va sauvegarder. Ouais, c'est celui-là. C'est parfait. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment, ils ont vraiment travaillé dessus au niveau graphisme sur Contract. Malgré ça, c'est pour moi un peu Hitman Codename 47 en version Director Cut. C'est-à-dire qu'ils ont pris les bonnes missions, ils ont enlevé les mauvaises, ils ont tout fait, tout bien refait. Et ils nous ont pondu ça en mode Hitman est en train de revivre toute sa vie passée. Et bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des missions inédites, mais pour moi, c'est le Hitman le plus sombre. Mais aussi le Hitman le moins inédit, on va dire. Il y a 3-4 missions inédites et le reste c'est des missions pompées du 1. Donc voilà. Bref, j'ai arrêté de parler, on va se concentrer sur la mission. Sinon encore je vais faire des erreurs inutiles. En tout cas, n'hésitez pas si vous voyez que je fais pas la mission forcément de la bonne manière, ou si j'ai raté des petits trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en prendrai soin. Ok. C'est vrai que je peux oublier des petits trucs. C'est vrai que je suis pas un expert dans Hitman. Hein. Je suis plus connaisseur de Metal Gear, ça c'est vrai. Et du coup, on va aller là-bas. Je crois que le garde a planté, donc du coup, on va avancer quand même. Tranquillement. Normalement, c'est ici. La cible était là. Ok. Nickel, notre garde a bugué. Bon, c'est pas un problème. C'est pas facile, mais hein. C'est quand même, les gardes, ils se posent des questions sur toi. Et ça, c'est ça, je me pose la question quand même. Vous voyez, mon visage est complètement rempli. La cagnette, entrez vite, monsieur Fuchs. Le commandant vous attend. Par contre, les gardes ont tous la même tête. Deuxième porte à droite. Ok, mon ami.
Ok. Pas de problème, là on monte. Ok, on y est. On y est, enfin. Façon de parler. On y est presque. En tout cas, on avance bien là, c'est cool. C'est la procédure, monsieur. Ne bougez plus. Je ne bouge pas, mon ami. Oui, je comprends. Donc là, faut vraiment pas que je bouge. Donc ça c'est super. Par contre trouver la dynamite ça va être une autre chose ça. Ah le voilà. Enfin, nous nous rencontrons, Fabienne. Je préfère négocier les yeux dans les yeux. Prenons un verre de vodka. Pas pour moi, merci. Non. Comme vous voudrez, Fabienne. Comme vous voudrez. Va me chercher le verre, dans tous les cas. Voilà. Hop. Ah, ça par contre, c'est stylé, les étranglements comme ça, un peu différent. Ça j'adore. Ok. Donc là par contre, ça c'est un poil plus chiant. On va essayer de cacher le cadavre. Ah ouais, hop. Ok. Lâcher le corps. On va le lâcher là. On va prendre le pass. Ça c'est cool. On peut récupérer ce flingue s'il faut. Pas un problème. Il y en a que 74, ok. Ok. Là ça va être trouver notre petit détonateurs, enfin notre bombe. Hop, pas besoin d'armes, on va éviter de. Oui, messieurs. Ah, je peux pas passer, d'accord. Ça va être difficile en fait de récupérer tout ça donc. Ok. Comment je pourrais récupérer tout ça? Réfléchissons bien. Il doit y avoir un moyen de récupérer le C4, non? Est-ce que ce serait pas dans la salle où je serais arrivé dans tous les cas? On va voir. Normalement, si. Non, il est pas là le C4. Je sais plus où il est le C4. Normalement, je dois récupérer du C4. Faut vraiment que je récupère donc. C'est quelque chose de vraiment utile. Et j'en ai vraiment besoin. Le petit C4 est attendu à l'accueil. Il n'y a rien par ici. Ok.
Donc là, je vois pas du tout vraiment où est le C4. Où est ce putain de C4? Moi, je pense que c'est là où il y a les gardes. C'est obligé. Mais je pense que je peux passer tranquillement là-bas. On va sauvegarder en tous les cas. Un petit peu avant et on va passer... On va passer nickel entre les gardes. En espérant qu'ils nous disent rien. On sauvegarde. La bombe Dutch Blcharkov. Quoi? Ok. Donc là, je peux prendre une bombe télécommandée. Ok. Ils disent rien, quoi. Bande de victimes. J'ai rien oublié. Ok, je me casse, y'a pas de soucis. C'était mon but. Ok, toutes mes cibles ont été éliminées. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut que j'élimine le labo. Au revoir, mes amis. Je vais aller me promener un petit peu. On va aller poser les bombes. Et après, on prend l'avion et on se casse. C'est moi qui vous le dis. Papapopam. Par contre, j'ai peur que ça fasse comme... Vous vous rappelez dans la mission avec le japonais là où j'ai détruit son petit hélicoptère et tout ça. J'ai peur que ça m'arrive la même chose. C'est-à-dire que j'explose la bombe et tous les gardes vont savoir que c'est moi alors qu'ils m'ont pas vu. Ça par contre, j'espère que ça m'arrivera pas. Mais je sais pas. Je sais pas comment faire pour ce point-là. Est-ce que du coup je... Parce que du coup non, bah du coup je vais y aller comme ça. Je vais y aller tranquillement et calmement. Ok. Voilà, je peux me permettre de rush un peu. Les gardes sont là. Normalement. J'y suis presque. On va allonger la paroi comme ça. On va faire comme dans Hitman 2. En fait, on va utiliser les techniques de Hitman 2 pour bien avancer sur celui-là. Donc là normalement avec ce costume je peux aussi m'approcher du bateau. Enfin du labo. Enfin du sous-marin surtout. Putain, énorme sous-marin. Il faut se le dire. Et normalement je peux passer. Je dis bien normalement. Salutations. Le mec il passe tranquille. Ah, je peux pas passer. D'accord, je peux pas passer. Mais tu vas arrêter de me suivre, Mister? Ah, alors. Je sais pas, normalement... Il nous laisse passer, quoi. Je sauvegarde et j'ai trop peur qu'il me tire une balle entre les deux yeux. Ouais, c'est pas un problème. Des fois, il bug, hein. Oh, j'ai pris un vieux éclair blanc dans la tête.
Ah ouais, d'accord, il y a des radiations. Donc faut que je fasse attention. En fait, si je passe dedans, je peux mourir. Voilà le message. Ouais, je pense qu'en fait, normalement, je suis pas censé passer. Et que j'aurais dû, du coup, prendre le costume de radiation. Bon, c'est pas un problème. En tous les cas, comme ça, je pourrais m'enfuir aussi tranquillement. On place la petite bombe ici. On va placer l'autre bombe ici. Putain, c'est où, c'est là? Ok. Mais du coup, les civils qui sont à la table vont mourir. C'est complètement bête. Je vais tuer des pauvres personnes pour rien. Ah, c'est là. Attends, je cherchais. Au final, c'était juste ici. Voilà. Donc, normalement. D'accord. Non, on peut pas passer par là. Faut repasser par la porte d'entrée. Donc là-haut. Allez hop, c'est parti. On va se taper une petite randonnée, tranquille. Sur la banquise. On n'a peur de rien. Enfin, 47 n'a peur de rien. Pourquoi moi, je marcherai pas, je courrais pas comme ça sur une banquise. Hein. Je sais pas vous, mais ça donne pas très envie. Hein. Bon, on reprend l'échelle. Et on se casse, les amis. Bon, là, je vais marcher tranquillement. Il y a le garde. Attendre qu'il fasse le tour. Mais comme ils sont tous frères, j'ai peur de lui voler ses vêtements et qu'ils me reconnaissent pas. Ou qu'ils me reconnaissent, ce sera encore plus bizarre. On va passer tranquillement. Mais sûrement. Ouais, je me casse. On va pas me tirer dessus, je me casse. Je me casse, vous inquiétez pas. Je me casse avec ma corde à piano, mon manteau quechua là. Mais franchement, 47, il a besoin de rien pour faire une mission. Un manteau quechua, une corde à piano. Des jumelles pour analyser les zones, mais ça on l'a jamais vraiment fait. Et c'est tout. Il a besoin que ça, et un petit rossignol, donc un truc qui ouvre les portes. Et il est refait à 47, hein. Il fait tout. Je parie, il est même plus fort que 007. Ça j'en suis sûr. Notre bon vieux 47 est très habile de ses deux mains. Donc je doute pas qu'il soit assez. Soit aussi fort que 007. Petite sauvegarde qui s'impose, les amis. La bombe de Charknoff. On va reprendre le petit train. Tranquillement. Salut, arrivé-t-il. Éviter de mourir sous les rails. Bon, cette mission, ça a été comme du beurre, hein. Assez simple, assez facile. Je me permets de le dire. Et 132, sans trop la perte du cinéma. Ah merde. Pétain, arrête-toi. C'est pas là où je veux aller. Du coup, bah écoutez, on va. On peut pas faire sauter la bombe ici, donc ça va être un peu difficile. Vas-y, arrête-toi là. Comment arrêter ce putain de train? Bah, y a
pas d'autre utilité, donc du coup je vais faire charger en... Hein. Attends moi. On est sûr. Ok. Télécommande de la bombe. Et... Boum. Waouh. Dirigez-vous à la sortie. Ouais, on se casse. On sait pas ce qui s'est passé, hein. Ça a explosé tout seul, hein. C'est pas ma faute. Ouais, pourquoi perdre son temps dans un train alors que t'avais la fonction chargée. Ah hein. C'est un peu triché, mais c'est très efficace. Ouais, ils s'en foutent. Une bombe vient d'exploser, une bombe vient d'exploser. M'en bats les couilles. Garde couvert le corps d'un soldat. Ah bah tu m'étonnes, il doit en avoir des soldats. Fou. J'ai même tué des civils sans faire exprès. Ça, ma plus grande crainte, c'était de tuer les civils en fait. Au moment où j'ai tué les gardes qui m'ont bien fait chier, c'est par pure vengeance. Bon, on est bientôt sorti de là. Après, plus que prendre l'avion et on peut se casser tranquillement. On n'a toujours pas découvert notre cadavre. Mmh. Ce petit train, on va lui mettre un petit turbo. Un petit V8 là, il va accélérer d'un coup. Waouh! On va faire du rallye avec ça. Allez, accélère ma poule, accélère. Je te pousse sinon. Inutile. Il écrit quoi? Corée Teke. Je sais pas ce que ça veut dire. S'il y a des gens qui parlent russe, écoutez, vous pouvez vous permettre de me traduire si vous le souhaitez, mais je vois pas de quoi du tout. Je vois pas du tout ce que ça veut dire. Ok, donc là c'est bon, on se casse. L'avion est à ma portée. On va passer par là-bas. Allez hop, on sprint un peu. Allez, allez, on y est presque. Sortie, c'est juste là. Allez hop, on se casse. Petit décollage. Bah écoutez, je suis un professionnel car j'ai tué des civils, non? Innocents tués, non, j'en ai pas tué. Pourquoi alors je prends qu'un professionnel? Je suis un amateur. D'accord. Alors là, je sais pas. En tout cas, rendez-vous au prochain épisode. On va essayer de faire la prochaine fois Assassin Invisible. Pourquoi là, ça me paraît un peu bizarre, hein.